Bienvenue à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir M. Hedi Chilif, docteur en sociologie, formateur managérial et coach stratégique, formé en technique de vente, de communication et de l'intelligence émotionnelle, ex-coach et formateur au groupe pharmaceutique international J&J, plus que de 25 ans d'expérience en consultant auprès du groupe Crestom et initiateur au programme de formation, le manager à toute épreuve, pour l'option d'un diplôme de 24 modules dans l'intelligence émotionnelle, la gestion des conflits et l'empathie. Il a assuré plusieurs formations à la demande aux groupes pharmaceutiques, syndicaux et associatifs. Auteur aussi de plusieurs articles psychologiques dans l'intelligence émotionnelle, la communication, la violence, la stigmatisation de la maladie mentale, l'empathie et d'autres types politiques. Il a aussi assuré plusieurs conférences en Tunisie comme à l'étranger. Il a choisi de nous parler aujourd'hui de l'intelligence émotionnelle comme un cheminement permettant à chacun de résoudre ses difficultés, de changer d'altitude et par la suite changer d'attitude. C'est un concept magique du psychologue américain Daniel Goleman sur lequel toute une théorie de rationalisation de nos émotions est basée. Donc,
Ces principes nous apprennent à savoir changer de point de vue, à avoir confiance en soi, à établir des modes de relations différentes avec soi-même et avec les autres. Sans plus attarder, je laisse la parole à M. Hedi Schrif. Merci, Mme Offert. Je suis vraiment content et ravi d'être parmi vous dans cette institution universitaire Esprit que je connais. J'ai même des connaissances, des introductions ici. Et je remercie tous ceux qui ont fait d'Esprit une institution connue à l'échelle internationale qui ne cesse de prendre de l'ampleur parce qu'elle tient compte vraiment de ce qu'on appelle le diplôme, de la formation. Et moi, le jour où que je félicite là avec nous, elle m'a invité et puis le lendemain, Mme Offert m'a contacté. J'ai dit que c'est des gens sérieux qui veulent travailler et qui veulent s'ouvrir sur le monde. Aujourd'hui, il y a une chose très importante. Vous êtes des étudiants. Vous êtes là pour vous former dans une spécialité. Vous allez avoir un diplôme. Le diplôme va vous permettre certainement de mettre le pied dans l'entreprise. Mais ce qui va vous permettre d'accéder, de grimper les échelons, c'est autre chose que le diplôme, ce qu'on appelle les intelligences sociales multiples. Il y a plusieurs intelligences. Et aujourd'hui, il y a une chose très, très, très importante qu'on oublie souvent. Et quand je vois que des institutions pareilles accordent une importance à introduire et alimenter leur programme de formation pour les étudiants sur l'intelligence émotionnelle, sur ce concept magique, je dis mes respects pour cette institution. Vous êtes vraiment gâtés et vous êtes chanceux d'avoir quand même adhéré à cette institution. J'ai choisi le thème de l'intelligence émotionnelle et communication. Parce que tu peux être intelligent socialement quand tu n'as pas la communication verbale, comportementale, visuelle, donc qui te permet de vous exprimer sans ce moyen, donc tu ne peux rien faire. Et aujourd'hui, malheureusement, en Tunisie, je le dis et je le répète, comme vous voyez les plateaux télévisés, vous voyez un peu partout, nous avons un problème de communication. Parce que la communication aujourd'hui est une science et aussi un art. Et rallier les deux, ce n'est pas toujours évident. C'est pour cela que j'ai mis un petit chapitre sur la communication, comment transmettre notre savoir-faire, notre savoir-être. Changer d'altitude, c'est changer d'attitude. Vous ne pouvez pas, quelle que soit votre qualification, votre compétence technique ou scientifique, il est difficile d'aller plus loin sans que vous fassiez une auto-gestion, une auto-évaluation de vos capacités donc intellectuelles, de vos capacités surtout sociales d'adaptation. Donc il y a un côté à développer en nous. C'est ce qui fait aujourd'hui l'équilibre entre ce qu'on appelle le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Le quotient intellectuel, c'est ce qu'on mesure avec vos diplômes. Le quotient émotionnel obéit à d'autres critères d'évaluation. Alors, il y a l'exercice numéro 1. Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de Gestalt, la psychologie de la forme. L'objectif de cet exercice, c'est simple, c'est de savoir si vraiment la personne est capable de faire l'exercice ou non, et dans le cas échéant, on peut classer deux types de personnalités. Ceux qui ont l'intelligence sociale ou même la manière intelligente de violer les barrières pour solutionner un problème dans la légitimité, ou les autres qui sont vraiment carrés et qui respectent les normes. Donc, à chacun ses spécificités personnelles. Nul n'est supérieur à l'autre, mais chacun a une spécialité. Alors, je demande s'il y a un volontaire qui sort pour me relier là les 9 points. Donc, relier les 9 points par 4 lignes droites sans lever la main et sans passer une seconde fois par le même point. Très, très volontaire, le volontaire. Ah, il doit connaître le
Tiens. Vous voulez, bien sûr. Merci. Allez-y. Alors, ce qui est demandé, est-ce que j'ai bien compris? De relier les 9 points. Sans lever la main. Sans lever, et en passant une seule fois par chaque point. D'accord. Si, si. Les 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. 4 lignes droites sans lever la main et en passant par là. Oui, une autre couleur, tiens. Merci. Pardon. C'est bon, j'ai pas besoin. Dommage. Ouais. Oui, allez-y. Je donne une autre couleur. Voilà, une autre couleur, le vert. Voilà. Je pense que M. Gestalt, non. Lorsqu'il voilà. A... Bon, de c'est toutes pas les façons, faisable. Ça, c'est pas faisable. Mais tout est faisable dans la vie. Il suffit d'avoir des ouvertures, des fenêtres sur d'autres cieux, d'autres univers, et fonctionner dans ce qu'on appelle l'approche transunivers. C'est-à-dire voir la philosophie, voir les maths, voir autre chose, pour pouvoir quand même trouver une solution. La solution, il faut dire, elle est simple. Donc, vous voyez, quand je vous ai dit de faire les 9 points, vous êtes mis à l'intérieur de la forme, c'est-à-dire, je ne dois pas sortir de ce cadre-là. Or, quand je dis, il y a des gens qui ont un minimum d'intelligence sociale et ils ont l'art et la manière de violer intelligemment la norme pour solutionner un problème. Donc, il fait un petit effort. Et là, il sort du cadre limité par les normes sociales et il peut trouver quand même une solution. Alors, non, pardon. Regardez. Alors, 1, vous voyez déjà, la flèche est sortie dehors. 2, 3 et 4. C'est-à-dire, moi, j'ai essayé pour trouver la solution de sortir de ce cadre. Vous vous êtes mis dedans. Donc, ça, ce n'est pas une erreur, c'est une spécificité d'une personnalité donnée. Et s'il y a 3 ou 4, il y en a plusieurs, parce que nous sommes les produits d'un ancrage socio-culturel directif. Faites ceci, ne faites pas cela. Voilà les normes. On réfléchit dans des normes. Il y a des gens, un peu en termes psychiatriques, les bipolaires. Les bipolaires sont très créatifs. Ils font des choses extraordinaires. Donc, il est en phase maniaque, donc il fait des choses, il s'exprime. Et ça, c'est donc une manière, disons, de prouver qu'il y a des gens qui sont vraiment, qui sont dans la norme. Ils n'osent pas violer la norme, d'autres qui ont la facilité, l'art de violer et ils solutionnent le problème. Voilà donc Gestalt. Alors bon. Oui. Voilà. Exercice numéro 2, donc Bertrand Piccard, c'est un psychiatre de formation, mais un coach qui est connu à l'échelle internationale. Moi, j'ai eu la chance de suivre
directement ces séminaires. On était en formation à Paris. Et le titre que j'ai mis là, « Changer d'altitude, c'est changer d'attitude », c'était le thème d'une de ces conférences à laquelle j'ai assisté. C'est un très grand monsieur, ce monsieur-là, il a fait le tour du monde en ballon. Et à partir de ça, il nous a raconté son expérience. Dit donc, tu as à un moment donné, pour traverser un espace aérien, tu dois monter. Donc, il faut beaucoup de volonté, beaucoup de savoir-faire et beaucoup de motivation. C'est pour ça qu'il dit, changer d'altitude, c'est changer d'attitude. Tu ne peux pas accéder à un truc supérieur sans qu'il y ait vraiment un travail sur soi. Donc, si je vous dis 1 plus 1 égale à combien ? Égale à 3. Pardon ? Très bien. Et dans une autre logique ? 1, 3, tout dépend. Voilà. C'est très bien, c'est déjà, voilà. Si on se met dans une logique mathématique, c'est évident, 1 plus 1 égale à 2. Mais si on se met dans une logique philosophique, c'est-à-dire on cherche le quoi et le pourquoi des choses, et on est dans un débat, dans une discussion, je dis là, ça fait 3 et plus. C'est-à-dire, ton idée avec la mienne, dans un débat et dans une synergie positive. Non, on est là pour construire. Donc, ton idée avec la mienne, dans une synergie positive, donne une troisième idée meilleure, sinon plus. Donc, 1 plus 1 égale à 3, dans la logique philosophique. Donc, dis-moi, il faut aérer l'esprit, réfléchir donc avec des fenêtres sur d'autres cieux, d'autres univers et d'autres sciences. Ça, c'est un premier conseil. Donc, j'ai fait brise-glace, c'est juste pour vous introduire le sujet de l'intelligence émotionnelle, parce que c'est ça, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas un cours, ça s'apprend. L'essentiel, de connaître le concept, de le maîtriser et de faire régulièrement un travail sur soi pour vraiment se développer personnellement. Alors, les styles de vie ou mode de vie, c'est un débat très long, mais finalement tout le monde, tous les psychologues, les spécialistes de neurosciences se sont mis sur 4 profils. C'est-à-dire, quand vous allez voir un responsable, donc il faut que vous sachiez de qui ou de quoi il s'agit. Quand vous regardez, d'ailleurs il y a des signes qui ne trompent pas, vous rentrez dans un bureau, moi je rentre dans un bureau, je peux vous dire quel type de personnalité, même à travers ce qu'il a dans le bureau, à travers sa manière de s'organiser. Donc je peux comprendre de quoi il s'agit, au moins je comprends. Et donc, les styles de vie ou mode de vie est la manière de vivre, d'être, de penser de soi-même et de l'autre ou d'un groupe d'individus. C'est sa manière de vivre autour et pour certaines valeurs et comportements quotidiens, social, familial, professionnel. Donc, le concept de mode de vie, c'est un concept américain qui a été mis pratiquement dans les sciences en 1970, dans le choc des cultures, comme disait le sociologue américain Alvin Toffler. Ce concept a fait couler beaucoup d'encre pour finalement arrêter les styles de vie à 4 types. Alors, le promouvant, par exemple, vous êtes en phase terminale, vous avez un PFE à préparer. Et vous avez à choisir lequel des profs avec qui vous vous entendez. Donc, il suffit de connaître un tout petit peu, faire des indices qui vous disent de quoi il s'agit, de qui il s'agit, est-ce qu'il pourrait quand même aller avec vous, est-ce qu'il est exigeant, est-ce qu'il est cool, est-ce qu'il est... Voilà. Je commence par le promouvant. Le promouvant qui est tourné vers le futur. Donc, ses caractéristiques, c'est un stimulant. Il est enthousiaste, il est créatif, chaleureux, intuitif, impulsif, passionné, débordé. Son besoin, c'est d'être connu, reconnu, félicité. Sur le plan motivation, il a le sens du défi, de la nouveauté. Sur l'ouverture, va au-devant des autres. La fiabilité peut s'engager à la légère. Il a donc, si vous voulez, des spécificités, c'est avoir à vous de connaître la personne. Ça, c'est le promouvant.
Le facilitant, le jaune. Il y a le vert, le jaune, le bleu et le rouge. Quatre couleurs. Le jaune, c'est-à-dire ouvert à tout le monde, et aimable. Mais il a aussi d'autres inconvénients peut-être ou d'autres spécificités personnelles. Le facilitant, tourné vers les trois temps. Ça, c'est une qualité déjà, c'est pas mal. Caractéristique, amical, coopératif, sensible, prudent. Écoute, attentif, conciliant, disponible. D'accord, il est conciliant. Donc, ça, je parle des caractéristiques personnelles. Sur le plan besoin, il est être accepté et aimé. Il adore d'être aimé. Il veut satisfaire tout le monde, quel que soit le prix. C'est une tâche qui est difficile et il faut le faire. Il y a des gens qui arrivent à le faire. Donc, la motivation, l'équipe et l'échange et l'acceptation, il est très tolérant. Il y a des gens qui ont fait un contrat ou un exigeant, ouvert à tout. On a le caractère. C'est possible. Ah, le contrôlant, le rouge. Généralement, quand on met la couleur rouge, c'est pour les militaires. Les militaires, ils gèrent, ils dirigent, pas ils gèrent, dans le sens de la verticalité. Fais, tais-toi, exécute, point la ligne. Et les rouges, généralement, sont très déterminés. L'autorité, donc. Efficace, impatient, concret, direct, assuré, bien sûr. Besoin, se réaliser, décider, motivation, résultat, responsabilité, authenticité et sincère et franc, acceptation, néglige les sentiments d'autrui. Rahmala. Et le rouge. Donc il est vraiment. Alors, le bleu, qui n'est pas loin. Le bleu qui est tourné vers le passé. Tout le matin, on coule trip. Tourné vers le passé. C'est tout le bureau de Talka. Bureau, cas du coursi, l'ordonnance de silo ma jambou. Voilà. Alors, caractéristiques. Passion, parle peu, méthodique, précis, ponctuel. Pondéré, conservateur, réfléchi. Besoin, être sécurisé, acquérir du savoir et motivation, expérience, connaissance. Et pour lui, l'essentiel, c'est la fiabilité, tient les engagements. Alors, le bleu, c'est le résultat, c'est la ponctualité, c'est aussi quelqu'un qui se réfère à une expérience qui devrait être actualisé. Malheureusement, il ne le fait pas parce que il considère qu'il a tous les moyens fiables. Donc, et demain, c'est ce qu'on appelle les gens qui sont résistants au changement. Et nous avons beaucoup, s'il y a aujourd'hui un conflit intergénérationnel, c'est qu'il y a une résistance au changement. Au contraire, dans la logique aujourd'hui de management, c'est les grands qui doivent tendre la main droite et celle du cœur aux jeunes, celle de l'intellect et celle de la motivation et de l'amour. Il les dirige vers eux, c'est-à-dire il leur demande qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. S'il fait ça, c'est que lui, il n'a pas la résistance au changement, bien au contraire, c'est quelqu'un qui a la facilité de tendre la main à des jeunes et de s'actualiser et de penser comme eux. Bien, donc aujourd'hui, s'il y a un conflit de génération, c'est qu'il y a un maillon qui devrait être tissé en fil d'or. En puisant dans les sciences sociales, en puisant dans les neurosciences, pour pouvoir vraiment atténuer ce conflit et considérer qu'il n'y a pas de conflit, il y a une succession de générations avec une succession de savoirs et de savoir-faire actualisés. Moi, par exemple, avec mon expérience, je dis bien, peut-être, j'ai vécu dans une culture sévère. Trabina, Hlel, Haram, Bey, Khaib. Des bornes. Et le jour où tu essaies de faire un travail sur toi-même, sur soi, tu découvres qu'on vous a
inculqué des valeurs accablantes qui accablent ta marche, qui accablent ton progrès, qui accablent de voir le monde. Et faire aujourd'hui les sciences sociales et les sciences, les neurosciences, c'est vraiment comme si vous avez une bande, vous enlevez les bandes sur les yeux, vous allez voir le monde. C'est pour cela qu'on dit aujourd'hui, philosopher, c'est réapprendre à voir le monde. Quand vous réfléchissez un tout petit peu, vous allez apprendre à voir le monde d'un autre œil et sous un autre angle. Quel profil donc? Rien à les quatre profils. Lequel des profils auxquels, maintenant, nous, si on était à la place des autres, pour éviter les excès de l'un, les facilités de l'autre, pour être un modèle, alors là, on dit, alors, lequel des modèles choisir? C'est quoi ça? Le caméléon, comment? Il s'adapte. S'adapte. C'est le sens positif, il s'adapte. C'est un nez qui souffre le sens moral, qui l'homme le bouya, il te bête, il m'a un douche mabda. Or, ça c'est un concept malheureusement qui appartient à une culture de résistance. Pas plus tard que, bon, je ne sais pas, il y a un, deux mois, j'entendais une personnalité politique qui était dans la gauche, parti gauche. Pardon? Non, on appelle les gens. Voilà. Je donne un exemple. Ça, c'est... Alors là, et puis, il a été nommé porte-parole du gouvernement au rang d'un ministre. Et puis, on lui a posé la question. Il y a plus tard, même pas plus tard, moi, vous étiez vraiment un fervent défenseur gauchiste de la gauche. Aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté. Il a répondu, c'était une réponse. Je lui dis, oh, je suis tunisien. Et là, c'est pas mal. Pourquoi? Je donne l'explication. Parce que chacun de nous a deux personnalités. Il y a ce qu'on appelle la personnalité de base. Enahedi Sherif, Matrobi Fi Tunis, Andi Thakafa Tunisia, Dini l'Islam, ou Aishma Mouchama Tunisi. Mais, quand j'ai franchi la salle, je suis là. Je suis Hedi Chlif, informateur. J'ai une personnalité statutaire. C'est-à-dire, ma personnalité, maintenant, en cet instant, ce n'est pas Hedi Chlif le barra. Hedi Chlif, le formateur, qui se conforme au statut du formateur. Donc l'autre, il s'est conformé au statut de ministre pour parole du gouvernement. Mais quand je sors dehors, j'ai mes idées. Sinon, on ne trouve pas de boulot. Je suis un homme de gauche. Non, impossible. Tu peux travailler. Gauche ou droite, ça n'a plus de sens. Ça, c'est au contraire, c'est une forme de résistance à l'adaptation au changement. C'est pour cela que je dis un caméléon, il faut prendre le caméléon dans le sens positif. Le caméléon puise son pouvoir d'adaptation dans un patrimoine naturel acquis, et l'être humain, donc membre actif et influent, le puise à la fois dans un patrimoine naturel et culturel, dans ce qui est acquis et dans ce qui est appris ou à apprendre dans le patrimoine génétique et à la fois en s'initiant aux différentes sciences. Voilà donc, aujourd'hui, avoir la caractéristique d'un caméléon, Rao, c'est pas une mauvaise chose. Ça, quand on fait une lecture, c'est quelqu'un qui a la capacité de s'adapter à des situations. Au cas de changement. Vous étiez engagé dans une entreprise. Il y avait ton chef qui était là, et le courant passait bien. Est venu un rouge. Jaune est remplacé par un rouge. Non, c'est pas. On ne refuse pas le chef. Au contraire, si tu as la manière de composer, de positiver avec lui, tu vas voir, tu vas te trouver à l'aise. Donc, il suffit de faire un travail sur soi pour changer de son de cloche et de façon de travailler, de composer avec l'autre. Malheureusement, notre culture à nous, les normes, les trabinabim, donc, figiliana, moujil komtouman, tu machir barchato, hlel haram, behichaï, tu cloisonné. Et la fermeture, là, c'est
tu n'as pas de fenêtre sur l'autre. Et nous n'avons pas en Tunisie, malheureusement, nous n'avons pas la notion de culture de différence. Mais tu es différent de moi. Au contraire, dans la différence se cultive la richesse. Malheureusement, nous avons une théorie autre. C'est-à-dire, dans l'anthropologie, dans la culture tunisienne, علاش قبل كان في الجنوب في انا اصلي من الجنوب نقول لك لو مارياج ان دور سورتو بور لينا دو لا فامي ايت انتردي تاخذ بنت عمك خاطر علاش يخاف من الاخر ومش مجهز لثقافه الاختلاف عنده كان الناس اللي يعرفهم هكا هو سا اون ليجيتيماسيون d'une idée qu'ils ne veulent pas déclarer. Le mariage en dehors de la famille est un transfert de biens. Pour préserver le bien et l'exige de l'enfant de s'amarier, ce n'est pas parce que l'autre, non, c'est pour le bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle la violence symbolique. Nous avons subi beaucoup de violences symboliques. Les gens ont un mot. La violence symbolique, ça c'est un monde. Inch'Allah, dans un autre cadre, on peut parler de ça, parce que ça libère les gens et ça leur permet de voir profondément les obstacles de cette culture dans laquelle on est né et puis dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Même aujourd'hui, le militantisme de la femme, le fait de revendiquer sa part d'héritage, ça est une forme de réaction à une violence symbolique encaissé par la femme. Aujourd'hui, il y a plein de mouvements féministes contre ça. Pourquoi? Parce qu'elles sont devenues conscientes et elles réfléchissent dans le cadre du genre, pas plus de ni du masculin ni du féminin, genre. Aujourd'hui, on le fait. Donc, les mouvements féministes aujourd'hui, c'est une réaction positive à une violence symbolique encaissée. يقول لك لا راهو احنا لازم نكونوا عائله ونعرفوا بعضنا وتعرف بنت عمك وتعرفك وتعرف بنت خالك وتعرفك الهدير يقولهم ديما كل هذيك او سا سي سا البروبليم دونك مالوغوزمون يا بوكو دو شوز كي دوفري اتر دونك فو اي ريفو ان تونيزي دونك اتر كاميليون ريفليشير دون مانيير اليز ريفليشير دون لا دون لابروش ترانس ديسيبلينير راهو لا راهو يا با ميو كو Alors, notre objectif de cette formation-là, disons, de cette initiation, ce n'est pas une formation, c'est une initiation au concept de l'intelligence émotionnelle. Premièrement, apprendre à répondre avec raison plutôt que réagir au comportement des autres. Aujourd'hui, l'objectif numéro un, c'est d'apprendre à agir et non de réagir. Dans la réaction, il faut se contrôler, se mettre dans l'action. Parce que l'action, elle est positive et constructive. La réaction nous confronte à plusieurs problèmes. Deuxième, d'évaluer nos compétences dans les quatre sphères. Les quatre sphères, on a la conscience de soi, la gestion de soi, la conscience des autres et la gestion des relations des autres. Et donc, les quatre sphères dont parlait Daniel Goleman, on va voir tout à l'heure. De mobiliser et motiver nos collaborateurs par le biais de l'influence plutôt qu'en exerçant notre autorité. L'autorité, c'est une faiblesse. Être vraiment fédérateur et influent, ça dégage beaucoup de compétences et de capacités de savoir-faire et de savoir-gérer. Ça, c'est très important. Ne jamais exercer l'autorité pour faire marcher, par exemple, une classe ou aller à des étudiants. Non. Le compromis, le consensus. Et ça demande beaucoup de capacités intellectuelles, de capacités émotionnelles. Et puis, de maintenir un équilibre entre nos réactions émotionnelles immédiates, instinctives, et nos réponses rationnelles. Agir au lieu de réagir. Il faut apprendre à agir au lieu de réagir. Même si quelqu'un qui vous énerve et qui même mérite même une gifle, alors il faut se maintenir. Il faut se maintenir, il faut respirer. Vous savez, la gestion du stress, on gère son stress. Il faut respirer, mais il y a une technique, chien al chitan, mouchen al chitan, chitan ma femme, chou, ahna jibou chitan. Donc il n'y a pas de chitan, ahna ma nafouchen fakrou barra. Il respire
Bon, pourquoi il a fait ça? Peut-être il est malade, peut-être il est en phase maniaque, peut-être il veut m'induire dans une dynamique de violence. Alors là, je serai perdant. Donc, et la capacité de vous maîtriser pour agir, pas pour réagir, pour agir. Et l'action est tout le temps obéie à une stratégie, elle est constructive et elle est positive. Le fameux Daniel Goleman, que j'adore personnellement, et je me souviens très bien, en 2004, ma première formation sur l'intelligence émotionnelle, je vous assure, comme si c'était vraiment, je redécouvre le monde. Et j'ai essayé depuis ce temps de faire un travail sur soi, un travail interne, de réflexion, d'auto-évaluation. Je vois, devant ce que j'ai accumulé des années et des années, d'une culture, entre guillemets, samhouni, sous-développée ou développée dans le sous-développement, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses, de résistances qui accablent ma façon de voir, ma façon de jouer, et je dois me libérer. Donc le combat est toujours là. Il faut combattre. Voilà ce qu'il a dit. Aucune créature ne peut voler avec une seule aile. Alors je dis le Nasr. Aucune créature ne peut voler avec une seule aile. L'art de conduire les hommes se situe à la croisée du cœur et de la tête. Des idées et des sentiments, ce sont les deux ailes qui permettent au leader de s'élever. C'est-à-dire, est-ce que un oiseau peut voler ça avec, ou un avion avec une seule aile? Impossible. Donc les deux ailes de l'être, pour lui permettre de voler dans les cieux de la liberté et plus haut, ce sont ces deux ailes, le cœur et l'esprit. Il a qu'un attaque Rabbi Mokh, ou attaque Kalb, il fakkar, il khamma. Tangible, le kalb, andou, fi, cerveau, on va voir. Donc, une équation et tu vas vraiment avancer. Elle s'est à la trilogie sacrée de l'intelligence émotionnelle. Regardez là, le cerveau, c'est le centre de commandement qui nous permet de réfléchir, d'apprendre, d'analyser. Donc, c'est le centre de commandement. Et aujourd'hui, vous êtes des étudiants, vous préparez un diplôme. Le jour où vous aurez votre diplôme, c'est-à-dire que vous avez obtenu une attestation dans le quotient intellectuel. Moi, il m'est arrivé de faire des entretiens d'embauche. Je reçois, par exemple, des candidatures d'ingénieurs. Les six pilotes, le PFM avec mention très honorable, avec félicitations au jury, les notes. Alors, tu as besoin de 3 et tu as 50 qui ont pratiquement le même quotient intellectuel. Ce qui fait la différence aujourd'hui, tu m'as trotté avec CV, loisirs, ou, et ça c'est très important, ce qui fait c'est le quotient émotionnel. Êtes-vous intelligent socialement? C'est-à-dire, quand je dis socialement, il y a l'intelligence verbo-linguistique, logico-mathématique, interpersonnelle, intrapersonnelle, environnementale, musicale, il y a 8 sortes d'intelligence. Et on essaye vraiment d'évaluer les personnes dans l'entretien. C'est beaucoup plus un entretien pour mesurer le quotient émotionnel de la personne. Et on prend celui qui est émotionnellement proche de ce qu'on veut. Alors, le cœur, c'est le quotient émotionnel. Le cœur est connu comme étant le temple de nos sentiments, de nos émotions. Quand on dit cœur, on parle de l'amitié, on parle de l'amour, on parle de la passion, on parle de beaucoup de choses. Mais quand on dit cerveau, c'est l'intellect, c'est la rationalité. Vous voyez ici, j'ai mis là le... Pardon. Un cerveau en forme du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est un cœur. Le cœur, il a la manière d'aimer. Il est très émotionnel. Le temple de nos émotions. Vous voulez faire d'un cœur un cerveau, c'est un peu difficile. Et la question que je vous pose, et je me pose, est-ce que le cœur a un cerveau?
Oui. Comment il s'appelle ce cerveau? Cite. Ben. Ben. Est-ce que le cœur sait réfléchir? Il réfléchit, le cœur? Bon, un doute. On va quand même éclaircir cela. Eh bien, le cœur a son propre cerveau. Et si j'ai mis cela, c'est parce qu'on arrive un jour à développer quand même nos émotions, à rationaliser nos émotions. Grâce à quoi? Grâce à cette synergie positive entre le cœur et le cerveau pour vraiment nourrir le cœur et pour pousser le cœur à vraiment rationaliser les sentiments. Je vous ai envoyé hier un article, Inch'Allah Tawajikoum. Moi, je suis un passionné du sport et notamment du foot. De l'équipe. Ah oui, voilà. Je l'ai très bien fait. C'est pour cette raison que je suis... Alors. Bon, je m'affiche. Hein. J'ai appris à m'afficher parce que pour moi, parce que, c'est-à-dire, ça c'est... واحد بعث لي على الفيسبوك قال لي لابس مجهول qui n'est pas mes propres couleurs. Je dis écoutez, ce que je porte, les couleurs que je porte dans mon cœur pour toi sont plus signifiantes que ces couleurs que je porte aujourd'hui. Car tu es unique. Tu vois? Donc il faut savoir répondre aux gens. Voilà. Oui. Alors j'ai mis l'intelligence émotionnelle. Un derby éternel, c'est-à-dire un derby entre le cœur et le cerveau. J'ai essayé de vulgariser, et ça c'était suite à une conférence j'ai tenue dans le cadre de Rotary Club sur l'intelligence émotionnelle. Et puis il y avait des journalistes qui m'ont interviewé aussi sur ça. Je dis écoutez, vous posez des questions, puis je réponds, parce que vous allez quand même modifier des concepts un peu scientifiques. Et quand j'ai envoyé ça, ils ont directement mis l'article, donc l'intelligence émotionnelle, un derby éternel. Donc, c'est le temps news, je crois. Hein. Alors, le cerveau, vous savez, la fonction du cerveau, c'est raisonner, c'est réfléchir. Ah, le cœur. Le cœur, c'est le temple. Qasr al-ihsas, qasr al-hub, qasr al-mahabba, qasr al-fraternité, qasr al-mashaar. تعيش ما تنجمش تعيش من غير قلب حي تنجمش من غير قلب يشعر يحب impossible mais quand même il y a des limites. Bon, on veut pas que vraiment comme disait ce que j'ai une définition de l'amour. Karl Marx, il parle de l'amour, alors là il a donné une définition vraiment dramatique. Alors il dit l'amour est un dieu cruel qui, comme n'importe quelle divinité, veut posséder l'homme entier et n'a ni cesse ni trêve jusqu'à ce que l'homme lui sacrifie non seulement son âme, mais aussi son être physique. Le culte de l'amour, c'est la souffrance, et le couronnement de celui-ci, c'est le suicide. C'est dramatique. C'est ça l'enchant de l'amour. Mais on peut aujourd'hui, avec l'évolution des sciences, on peut quand même atténuer de la charge de l'amour sur le cœur. Et voyez ici, on a mis les 6 émotions. Il y a la joie, la colère, le dégoût, la peur, la surprise et la tristesse. Il y a des émotions à contrôler pour vraiment garder les pieds sur terre et préserver notre sérénité. Or, est-ce que le cœur sait réfléchir? Est-ce que le cœur est intelligent? Est-ce que le cœur a un cerveau? 3 questions. Donc, Daniel Goleman a précisé, les spécialistes de neurosciences ont dit que le cœur, effectivement, a un cerveau. Il s'appelle le cerveau émotionnel. Donc, mais, quand est-ce qu'il réfléchit? Quand vous lui apprenez à réfléchir. C'est à vous de lui apprendre, en le mettant en connexion directe avec le système limbique qui est là. Rabbi khalaqna karo.
voulez lire, par exemple, la Filosa, qui a écrit un très beau livre, L'intelligence du cœur. C'est que le cœur, c'est réfléchir. Donc, l'intelligence émotionnelle, cerveau et cœur, quel type de relation? Comment cultiver, entretenir et développer son intelligence émotionnelle? Constat et modèle de Daniel Goleman. On va faire le constat de Daniel Goleman. Voilà la situation où nous sommes souvent. Le cœur et la raison sont tout le temps en garde. Et il nous arrive très souvent. Que dire pour connaître quelqu'un? Donc, pour cela, on peut trouver des solutions. Il y a mille et une solutions pour ça. Alors, la première, quand on est face à un cerveau dominant, le rouge, sans pitié, on a eu la couleur là, Rahmalé. Donc, vous voyez, un cerveau qui force sa loi. Et le cerveau, quand il force sa loi, ça y est, c'est terminé. Ah bah, le cœur. La deuxième, et finalement, c'est l'inverse qui se produit. C'est le cœur qui dicte sa loi. Donc, un cœur qui revendique ses droits. Là. Cœur et cerveau, voilà notre objectif. La relation d'harmonie, un équilibre. J'ai besoin de mon cœur, j'ai besoin de mon cerveau. Comment établir une relation de complémentarité, une relation dans une synergie positive et constructive. L'intelligence, voilà. Entre un cerveau qui force sa loi et un cœur qui revendique ses droits, quelle serait la bonne voie? J'ai mis là, les pionniers de l'intelligence émotionnelle ont fait le constat et nous ont proposé un modèle de choix pour une marche sereine, même sur du verglas. C'est-à-dire, pour marcher sereinement sur du verglas, ce n'est pas toujours évident. Mais quand on se mobilise pour puiser une marche à la fois dans le rationnel et dans l'émotionnel, et on crée une stabilité, on peut marcher sereinement. Et n'est juste habit natikum. J'ai tenu compte que c'était un truc universitaire. L'origine, l'étymologie et comment ça a démarré l'intelligence émotionnelle. Voilà. Alfred Binet et Simone, Tudor Simone, deux pédagogues français, étaient appelés à un moment donné, début du XXe siècle, à vraiment évaluer des enfants en milieu scolaire pour voir ceux qui sont intelligents, d'autres qui sont moins intelligents. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rabattus directement sur leurs notes. Ils ont fait une moyenne. Et à l'époque, ils ont appelé cela le facteur G, général, c'est-à-dire la moyenne de chacun pour classer Hedem Haka ou Hedem Haka. Donc, en 1912, Spielmann, c'est un Anglais, et William Stern, un Allemand, ils ont élaboré le concept de quotient intellectuel. Nous allons voir le quotient, l'âge mental sur l'âge réel multiplié par 100. Ça, c'est pour calculer, disons, le quotient émotionnel. Depuis 1912, le concept de quotient intellectuel a été créé en 1912. Gardner, qui est un Anglais, psychologue anglais, dit comment vous mesurez l'intelligence en se limitant sur le quotient intellectuel, sur ce que nous avons appris à l'école. Alors qu'il y a une école où il y a toutes les sciences, c'est la société. Et on ne veut pas apprendre là. Donc, il a dit que le quotient intellectuel sur lequel vous vous basez est biaisé socialement. Il n'a aucune dimension sociale. Il n'a pas d'intelligence sociale. Donc, impossible. Et depuis, donc, ils ont commencé à travailler. Et comme vous voyez, donc, Salové et Maillère, deux Anglais, en 1990, ils ont commencé à réfléchir sur l'intelligence émotionnelle. Et finalement, Daniel Goleman, c'est le numéro un qui a mis ce concept en exercice et qui a commencé un travail colossal sur le concept de l'intelligence donc émotionnelle en puisant à la fois dans le quotient émotionnel et dans le quotient intellectuel.
Je vous ai parlé quand même du cerveau émotionnel. Et le cerveau émotionnel, c'est là. Il est en connexion avec le cœur. Donc, système limbique, c'est le système limbique, là où il y a le cerveau, comme vous voyez là, émotionnel. Le système limbique, donc un cerveau, des émotions, ou le lieu où on traite nos réactions et nos actions. Donc, le système limbique, il y a une partie dans le cerveau, donc à part les cinq aires, donc l'aire visuelle, gustative, auditive, tout cela, et l'aire psychovisuelle, c'est le système limbique qui est directement lié à nos émotions, et que toute émotion est interprétée, et elle vous dicte la démarche. Si, par exemple, vous allez dans la route, traverser, il y a un camion qui sonne, et tu recules, une réaction. C'est que, déjà, le système limbique a donné l'ordre que vous reculez pour cela. C'est une réaction. Donc, il y a toujours le système limbique qui est le fief là où on traite nos émotions. L'émotion de joie, de tristesse, d'anxiété, de bonheur, ça se traite ici. Oh, qui fait la différence? Comme qui m'encoule le système visuel, le système psychovisuel, la sphère. C'est-à-dire quand je vois par exemple R, je connais R, parce que j'ai son image là. Donc, c'est la vision, elle est transmise, c'est-à-dire l'image est transmise à l'aide psychovisuelle, là où je reconnais la personne. Comme exactement cette réaction-là est due à un truc brusque et vous réagissez. Donc, il y a le système limbique, c'est la sphère où on traite nos actions et nos réactions. Alors, à tel point que Daniel Goleman aurait souhaité que le cœur soit ici. Il est là, déjà, avec le système limbique, parce que c'est lui qui se charge. Parce que le cœur, il a une fonction donc physiologique, c'est une pompe qui assure la circulation de sang dans la systolie, la diastolie. Donc, il a une fonction là, mais mécanique, mais là, une autre fonction qui est le traitement de nos émotions. Alors, le quotient intellectuel, c'est l'intelligence rationnelle, logique et cartésienne, se mesure par des critères et des résultats quantitatifs, détermine une capacité intellectuelle. William Stern, en 1912, calque c'est l'âge mental sur l'âge réel multiplié par 100, tel cas le quotient intellectuel. Mais quand le quotient intellectuel est élevé, est-ce que cela veut dire que vous allez réussir? Le premier de ta promotion, majeur de promotion. D'autres dans des entretiens, tel cas, il y a Sahar Twaktakulkol. Akra, la discipline tech, on cite le sport, on cite la musique, on cite la danse, on cite l'activité sportive, on cite le contact humain, on cite les conférences, et donc, qui sont vraiment formateurs. Et malheureusement, nous avons beaucoup de compétences avec un quotient intellectuel très élevé, malheureusement, il y a un côté émotionnel. Là, il faut vraiment le réanimer, travailler beaucoup. Einstein, seul, avec un quotient intellectuel plus élevé, très élevé. Alors, nous devrions faire attention à ne pas faire de l'intellect notre Dieu. Il possède naturellement des muscles puissants, mais il n'a pas de personnalité. Le quotient intellectuel, il n'y a pas de la personnalité. Il ne peut conduire, il peut seulement servir. L'ilm et la qadit, le kinontaire, le slah et le gadi. Le reste, Rafam Barsha Hajet qu'il faut apprendre. Là, Gardner, il parle des limites du quotient intellectuel. Le quotient intellectuel est très limité. Une question sur l'histoire. Inculte sur le plan histoire. C'est vrai, et encore. Donc, le quotient intellectuel, c'est une capacité à répondre à un test verbal et logico-mathématique. Il est aujourd'hui biaisé socialement. Il n'a aucune dimension sociale développée. Le quotient intellectuel est un étalon de mesure des capacités intellectuelles et non de l'intelligence.
علاش في يقرا وكل هذه بضاعتكم ردت اليكم تلقى حفظت حاجه تا كيسيون تاف تلقى الاستاذ بان سيلفان يعطيك بان سيلفان vous n'êtes pas une lumière attention هذيك تدخل فيك المنظومه بضاعه ردت اليكم هكا Donc, il n'y a pas une intelligence, mais plusieurs. Et Gardner amène la typologie des intelligences multiples. Vous voyez, donc capacité, avec l'intelligence verbo-linguistique, quand vous parlez, vous devez choisir le verbe. Ben, ça, vous venez de mon bureau, vous demandez un service impossible à réaliser. Je ne devrais pas vous dire non. Il y a ce qu'on appelle le non diplomatique. Le non diplomatique, c'est vous qui tirez les conclusions que ce n'est pas possible suite à une discussion. Rien que vous dire, soyez empathique, mettez-vous à ma place. J'ai 10 dossiers comme le vôtre. On n'a pas suffisamment de trucs pour eux. Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous aurez fait? Il y a ce qu'on appelle le non diplomatique. Donc, il faut choisir le verbe. En choisissant le verbe, il faut toujours, surtout, par exemple, pour entretenir un gamin à Sahir. T'as comme ouch. Mais tu as non. Tu as l'ouch, tu as l'ouch. Tu as l'ouch, tu as l'ouch. Tu as une autre alternative positive. Parce que ça reste dans la psychologie. Donc, il faut toujours choisir le verbe qui induit la personne dans la positivité. L'intelligence corporelle kinesthésique. Par exemple, la danse, c'est une expression corporelle. Ce n'est pas toutes les danseuses savent danser. Au contraire, il y a des danseuses qui brillent. Donc la danse est une expression corporelle. Et bien, ça, par l'image que nous avons morale dans la société, raksa. Mais d'autres salles raksa, t'as une star. Pourquoi? Elle nous a épatés. Ça a dit un coup. Tiens. Si on met le truc dans un truc moral, non. L'intelligence interpersonnelle, il faut que tu sois intelligent vis-à-vis de toi-même, et intrapersonnelle, les deux. Il y a environnemental, il y a 8 sortes d'intelligence que vous voyez là, donc il faut quand même faire de son mieux pour vraiment les comprendre. Et pour comprendre de quoi il s'agit et dans quelle mesure ces intelligences qui sont mises sous le toit de l'intelligence sociale peuvent nous aider à positiver dans notre vie. Vous voyez, là, j'ai essayé aussi de trouver dans un livre d'Idriss Barkhane, ça c'est un maghrébin, un jeune maghrébin, qui a fait 3 thèses de doctorat, mais il a fait un très beau livre qui s'appelle « Libérer le cerveau ». Parce que je considère que le cerveau est accablé par l'école et l'université. Parce qu'il y a un manque d'intelligence sociale. Et regardez. Voilà. Elle a aidé Seberkan, un livre qui se vend même en livre de poche, Libérer le cerveau. Pour lui, il y a 2 vies. La vie notée et la vie réelle. La vie notée, vous êtes à esprit, donc votre vie est notée. Khdem talqa note, makhdem shlom talqash note. La vie réelle, il y a d'autres notes. Or, il met des injonctions sociales ou des ordres formels à ne pas discuter. Donc, les valeurs. Se conformer au monde. À mon époque, d'accord. C'est impossible. Donc, se conformer. Le monde, c'est ça. Pour lui, dans la vie notée, c'est la seule voie. Je n'ai pas à choisir. La vie notée. Par contre, dans la vie réelle, c'est la mauvaise voie. Allez. Fais-moi chouliette. Fais-moi le kama. Notre fait le chouar avec. Lekin chouar mutri. Il soit dirigé. Même avec le jeune. C'est pour cela qu'il dit c'est la mauvaise foi à dire. La seule voie, c'est la mauvaise. Donc, dans le monde réel, hein, dans la vie, dans la vie donc, normale, donc
ce qu'on appelle la vraie vie. Restez à votre place. C'est la seule voie à l'école. Radika, c'est la voie de soumission. Allez, je te dis, 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 je te Donc, c'est un peu le... Alors, discuter l'autorité. Est-ce qu'on a le droit de discuter l'autorité? Le moudir, le mouallem, voilà. C'est vraiment interdit. Tu ne peux pas discuter. Par contre, discuter l'autorité, pour lui, c'est nécessaire. C'est très formateur. Au moins, tu comprends pourquoi on t'a dit non. Tu engages un débat. Et on trouve un compromis. Peut-être on change le nom par lui. On trouve. Mais que le débat soit fructifiant, soit positif, soit constructif. Être autonome, c'est déconseillé. Alors, être autonome, c'est vital. Quand on voit trouver la bonne réponse, si ceci, trouver la bonne question. Allez, vous jugez cette réponse comme étant la bonne. Il y a d'autres réponses. Donc, entre la vie notée et la vie, la vraie vie, il y a une différence. Et c'est pour cela, libérer le cerveau. Natius des recettes. هذه القيم وهذه كذا خلي الانسان يخمم في القيم فما معروفين مي خلي يخمم فيهم alors يقول لك la vie réelle peut contenir la vie notée ne peut pas contenir la vie réelle donc c'est un livre très intéressant hein. Alors, quotient émotionnel, c'est l'intelligence émotionnelle et sociale, se mesure par des critères qualitatifs, évolue et se développe, détermine une tendance à l'harmonie et à l'équilibre. Quand le quotient émotionnel est élevé, sans un quotient intellectuel considérable, est-ce qu'on peut réussir ? Surtout dans le marché parallèle, les bailleurs de fonds, les wahed, ils sont socialement, ils se considèrent intelligents. Mais c'est une intelligence sociale qui puise son sens dans, c'est magnifiquement, la malhonnêteté, la violation franche de la loi même, humaine, juridique et morale. Or, ce n'est pas l'intelligence, ça. C'est la malhonnêteté. Il y a un seuil entre ça et ça. Donc, ma kriche ou selecta. Ou talka, flous, ou sahdiyet, ou wahid, ou kulchei. Ou hasbrouh, ou rah, ou mouchankollek, hedra. Mais, malheureusement, la vie est devenue comme ça. Donc, quand le quotient émotionnel est élevé, on ne peut pas vraiment assurer si vraiment la personne va réussir ou non. Qu'est-ce qu'une émotion? Sur le plan linguistique, voilà l'émotion. C'est l'état affectif intense caractérisé par une brusque perturbation physique et mentale où sont abolies en présence de certaines excitations ou présentations très vives les relations appropriées d'adaptation à l'événement. Donc, c'est un trouble ou une agitation passagère provoquée par la joie, la surprise, la peur, surprise, tristesse ou la haja. Donc, comme je vous ai dit, donc c'est un trouble dans le comportement qui est dû à un truc brusque qui nous déstabilise. Donc, c'est une émotion, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Et sur le plan étymologique, l'asl, c'est un mot composé, l'émotion. Voilà. Il est composé du préfixe « et » qui indique la direction vers l'extérieur, et motion évoque le mouvement. Donc c'est un mouvement donc, qui va de l'intérieur. L'émotion est un mouvement vers le dehors, un élan qui naît à l'intérieur de soi et parle à l'entourage, une sensation qui nous dit qui nous sommes et nous met en relation avec l'autre. Donc comment obtenir une harmonie, l'équilibre, quotient intellectuel et quotient émotionnel. Vous voyez, j'ai mis un plan assez courbé sur un truc cylindrique et comment faire l'équilibre. C'est toujours difficile. C'est un peu difficile. Donc,
je n'aurai pas une petite non prolongation, non, parce que l'essentiel, d'accord. Mais alors, Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle est une 4x4. C'est-à-dire, quand vous apprenez l'intelligence émotionnelle, comme si vous avez un engin 4x4 tout terrain. Il s'adapte à tout, il comprend tout le monde et il avance à un rythme vraiment serein. C'est l'arbre de l'intelligence émotionnelle. Il y a quatre, là, comme vous voyez. La conscience de soi, la gestion de soi, la conscience sociale et la gestion des relations. Donc, il y a donc les quatre piliers de la théorie de Daniel Goleman. C'est-à-dire avoir une conscience de ses capacités, de ses défauts comme de ses qualités, la conscience sociale, la gestion de soi et la gestion des relations. Et chaque élément, comme vous voyez, par exemple, je prends la conscience de soi. Il y a quatre aussi. Donc, descripteur de l'arbre. Chemin à la conscience de soi. Reconnaît les émotions et les déclencheurs personnels. Identifie les motivations personnelles. Comprendre les forces et les défis personnels. Se comprendre et s'accepter avec précision. Et ainsi de suite, la gestion de soi aussi, comme vous voyez. Donc là, la conscience sociale, être conscient de l'autre. Être ouvert sur l'autre. Avoir le sens de la culture de différence, avoir aussi la capacité empathique, l'empathie, se mettre à la place de l'autre. Et tout cela nous permet d'avoir vraiment une gestion des relations sociales, une gestion positive et constructive. Alors, le modèle Daniel Goleman, 4, et chaque branche repose sur 4 donc descripteurs. C'est pour cela qu'on a appelé 4x4. Alors, le cas échéant, si on ne maîtrise pas la conscience de soi, la gestion de soi, la connaissance des autres et la gestion des relations des autres, c'est-à-dire la méconnaissance de soi, absence de contrôle de soi, manque de compréhension des autres, déséquilibre, il y a toujours le conflit. On n'a rien fait. Par contre, quand on maîtrise la conscience de soi, la gestion de soi et la gestion des autres, il y a l'harmonie. Donc, une harmonie entre le cœur et le cerveau, et on va vivre aisément. C'est pour ça qu'on dit, alors, allons, on va discuter d'une manière très paisible parce qu'on est en accord et on peut quand même avancer sereinement. L'intelligence, un petit mot sur la communication qui est très importante. Socrate, s'il disait, donc, parle pour que je te voie. Tu peux être n'importe qui. Si tu n'as pas la manière de communiquer d'une manière positive, pour lui, parle pour que je te voie. Je ne te vois pas. Tu dis n'importe quoi. Alors, quand vous voulez expliquer quelque chose à des étudiants, à des élèves, ou expliquer à un gamin, il faut tenir compte des principes de la négociation donc, et de la discussion, et qui sont, selon Percy Wheaton, c'est en anglais, les 5 règles de la communication, l'éveil de l'attention. Si je viens vous parler d'un sujet, tout d'abord j'éveille votre attention par une introduction donc originale. Deuxièmement, j'éveille l'intérêt du sujet que je vais soulever et que je vais traiter avec vous, l'intérêt en commun. Je dois intéresser. Troisièmement, donc, la création du besoin. Je crée en toi le besoin de m'écouter à ce moment-là. Une fois l'éveil de l'attention, l'éveil de l'intérêt, je crée en toi le besoin de m'écouter. Et la conviction. Quand je parle d'un sujet dont je suis convaincu, ça, il n'y a pas mieux. Et finalement, tu fais ta conclusion. Chemin, la communication des 3 V. Mais alors bien, donc, vous connaissez. Ça, c'est un Américain d'origine iranienne. Il a fait une étude sur les règles des 3 V, c'est-à-dire 7% de la communication est verbale, le choix du verbe. 38% de la communication est vocale par l'intonation et le son de la voix. Si je parle d'un sujet doux, on va avoir un ton doux.
si je crie, il faut crier. Donc, à toi de voir quelle corde vocale utiliser. 55% de la communication est visuelle, expression du visage et du langage corporel. Donc, on s'exprime par les yeux, on s'exprime par le sourire, par l'épanouissement, par le gestuel. Donc, l'intelligence verbo-linguistique, un seul mot rempli de positivité, d'amour et de paix, a le pouvoir d'influencer l'expression des gènes qui régulent le stress physique et émotionnel, de modifier le fonctionnement du cerveau, d'augmenter le raisonnement cognitif, de relancer les centres de motivation cerveau et de les propulser dans l'action. Aussi, donc, un seul mot négatif. Regardez la différence là. On induit la personne en langage avec des ondes émotionnelles positives. Le sourire, la façon de faire, tu vas motiver. Par contre, ici, quand il y a un seul mot négatif, regardez, d'empêcher la production de certaines neurochimiques qui contribuent à la gestion du stress. Tu augmentes ton stress. D'envoyer des messages d'alarme à travers le cerveau et faire donc partiellement les centres logiques, d'affecter négativement la façon dont nous percevons la réalité. Donc, tu vas induire des ondes émotionnelles négatives qui bloquent toute réflexion, qui bloquent toute initiative de construction. Alors, intelligence émotionnelle et communication. Connaître et savoir gérer ses propres émotions, plus savoir lire, anticiper, comprendre et gérer efficacement les émotions des autres, égale donc faire de la communication non seulement un outil, mais aussi une science, voire même un art. La communication est une science, mais aussi un art. Donc, intelligence émotionnelle rationalisée, une communication techniquement élaborée, regardez le résultat. Donc, de la vivacité dans le groupe, des ondes émotionnelles positives dans le groupe, une dynamique positive dans le groupe, une gestion positive et constructive du groupe et une transformation des freins en accélérateur. Même il y a des gens qui sont résistants, vous allez quand même les trouver, vous allez quand même les pousser vers l'avant. Donc, comme vous voyez, les quatre principes de l'intelligence émotionnelle, apprendre à répondre avec raison plutôt que réagir au comportement des autres, évaluer nos compétences dans les quatre sphères, la conscience de soi, la gestion de soi, la conscience sociale et la gestion des relations, mobiliser et motiver nos collaborateurs par le biais de l'influence plutôt qu'en exerçant notre autorité, et maintenir un équilibre entre nos réactions émotionnelles immédiates, instinctives, et nos réponses rationnelles. Agir au lieu de réagir. Donc, en conclusion, il faut dire, j'ai deux choses à vous annoncer. La première est négative, malheureusement. Personne n'est jamais parfait en matière d'intelligence émotionnelle. Personne ne le saura jamais, même Daniel Goleman. Le défi d'Aristote, tout le monde peut se mettre en colère, c'est facile, mais se mettre en colère avec la bonne personne, au bon niveau, au bon moment, avec la bonne intention, de la bonne manière, ce n'est pas du tout facile. Gérer sa colère, proprement dit, ce n'est pas toujours facile. C'est pour cela, toujours, on a besoin de faire un travail sur soi. Donc, une mauvaise nouvelle, c'est la bonne nouvelle, votre connaissance de l'intelligence émotionnelle est bien partie. Votre volonté déterminera votre capacité d'apprendre encore sur l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle est une œuvre qui est à faire et non quelque chose qui est donné. Finalement, s'il y a quelque chose à retenir dans la vie, vous voulez vous faire quelqu'un d'intéressant, de serein, d'instruit, d'intelligence socialement, il y a ce qu'on appelle en matière de management les 5 S. Vous devez avoir le savoir dire, le savoir être, le savoir faire et le savoir faire faire. Et ça, donc, c'est la Bible de Daniel Goleman. Vous voyez, c'est son livre-là, Daniel, sans vouloir faire de la pub sur ce livre-là, mais c'est un livre très intéressant, vous voulez lire. Il est un peu volumineux, presque 1000 pages. Hein. Donc, il est un peu. Voilà. Donc, merci de votre attention. J'espère avoir été. Donc, merci beaucoup, Cyril. C'était vraiment. J'ai pas
J'ai pas pu comment vous interrompre parce que c'est très enrichissant et très instructif. Donc, merci à vous d'être là et à la prochaine.